Il est beau, mon petit, il est beau. Tu bon, bah on va quand même y aller parce qu'il y a une qualif à faire. Hein. Attends, je vais relancer aussi du coup parce que. Bon! Je suis en train de rouler. J'ai chopé le cône à la sortie de la pit lane, ça commence bien. Bon, deuxième course avec la HPD, toujours avec Emeric. Salut Emeric. Salute! Emeric qui a eu un cheat code hein, pour avoir une P1 beaucoup plus performante, mais faut passer en manuel, donc on va voir ce que ça va donner pour lui. Merci Sylvain, merci P1. On est encore ensemble avec, je crois, une quarantaine de pilotes cette fois. Une trentaine. Je sais qu'on était 5-6 quand même en P2, donc ça va être une course un peu plus cool. Puis à fond la dernière chicane. Ah ouais, quand même. Bah là, il fait frais. Hein. Donc là, comme vous le voyez, il fait dégueulasse. Dégueulasse. 27 degrés. La première course que je vous ai diffusée il y a quelques temps était en... 37 ou 41 degrés. 41, ouais. En piste, hein, on parle pas en température de l'air. Donc là, on chauffe la voiture. Ça passe effectivement beaucoup plus fort. On a réajusté les pressions et on va se lancer pour un tour qualif avec toujours la HPD. Bonne chance, Emeric, pour la Porsche en P1. Je suis déjà dedans. Ça passe très très fort. Pit this time.
Allez. Une 40-206 et on est 8ème, je pense qu'on est encore dernier de la catégorie malheureusement. Ouais mais t'es pas loin dessus devant, il roule en ligne 39-843. Donc 4 dixièmes, bon j'ai vraiment fait mieux que la première fois je trouve. J'ai compris quelque chose au niveau de la descente des rapports de boîte qui est assez... En fait quand je suis en 6ème je fais 5-4-3-2 et ça correspond pas mal à l'étalonnage de la boîte. Et ça passe un peu mieux et ça évite d'avoir des à-coups et des déstabilisations, donc je suis un peu plus confiant. Donc on va voir, toi t'es P4 c'est ça? Ouais j'ai fait le meilleur chrono que j'ai jamais fait, 1:31-144. Je crois que c'est mon cas aussi en P2, donc moi je continue de progresser. Emeric, le nouveau setup a l'air de marcher. On va se retrouver sur la grille, il reste une minute le temps de ramener la voiture à la maison. Je suis pas confiant que celle-là. Hein. C'est bizarre qu'on peut avoir confiance ou pas pour une course et là... En fait, dès lors que j'aurai largué celui derrière, ça ira. Il y a juste ça qui va me rassurer. Il me fait très 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 peur. Ah bah, je vais utiliser tout le boost pour prendre le tour. Coming, you'll be behind the 36. You'll be behind the 10. Westad, 6. S'il te plaît, Westad. Laissez la marque. Behind the 27. Laissez partir, Massad. Attends, les P1 sont juste devant là. Bah oui, ils nous collent donc. What's up, please? Mose up, please. Please leave a gap, Mose up. Leave a gap between the categories, guys. C'est un français, Amar, le premier en P2. Ouais, mais... What's up? On va partir juste derrière les P1. Bah... Ah, c'est pas un texte. Enfin, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Ouais, ça en a la forme et les chance. Couleurs, mais... Bah oui, c'est ça. Ouais, bonne chance. But coming to the green, you're getting cleaned out real well. Get a nice start. I have a man pace cars off. Oh là là, ça va être compliqué, ça. Green flag, everybody's rolling. Right side. Clear, clear, clear. Right side. Clear, on your right. Still there. Clear, clear, clear. Ok, le mec se sort. Le mec revient en piste devant moi, c'est génial. En P2, c'est la forme en pointe pour la tête, hein. Il fait, c'est pas possible. Still there. All clear, left side. Still there at your door. You're in the wrong car, boy. Oh yeah? What car should I be in? Not that one. Second that. Wow, must be nice to be perfect.
not really that dry, it's just that the door is closed compared to the solo classes. Which are just in the line turn. Holy cow, we just got started, I was taking it easy. Well, apparently I'm taking it too easy. If you're taking it easy, you wouldn't have spawned. I got an idea. Why don't you drive your car? We will when we get out of the way. God, it must be great for you guys. Ils connaissent pas TeamSpeak, les loustiques, là? Comment il fait pour avoir une si bonne sortie de la chicane? S'il n'y a pas 150 trajectoires. Clear. Right side. Well, some merge right in front of me and forced me off. Clear. I didn't see that. I'll look at that. Je suis craqué. No,
push through the bunker. Même par le gravier, il va plus vite que moi. Il sort très large dans les deux lesmo et il me reprend encore du temps. Ah là là. Good one, and on top of that, he hits speed. Hell yeah. I don't know why the hell he was diving it in there this early. Yeah, but I think that's not the only one that happened. Well, c'est depuis, j'ai pas tout compris. Well, I came in just looking at how long the mess are before the next week, and I've been taking out my own deep flight now. Guys, if you want to talk, get a fucking team speak, please. Hey guys, it's none of us today. Merci. One on the right side, clear. Du coup, j'ai même pas vu le leader passer, quoi. Go drive NASCAR to the white check. Putain, ça marche, hein. Je suis dégoûté parce que je me fais doubler alors que... Je me fais poutrer en ligne droite. J'ai pas compris, j'arrive pas en manuel. Dommage. Je perds tout à cause de ça. De la respiration d'un pilote peut-être, je sais pas entendu. A plus dit, tu veux mes bonbons que... Tiens, à la voix. Tiens, mes petits bonbons. Side, still there, clear. Thanks. Même le sixième.
Le sixième me revient dessus. Je suis dégoûté. J'aurais dû garder l'autre setup. T'auras essayé. Ouais, mais là je vais perdre tout ce que j'ai gagné la course d'avant. Ouais, oh, t'inquiète pas, il y a des gens, ils font une course parfaite, aucune erreur, aucun rien du tout, et ils se prennent moins 70 dans la gueule. Donc. Je demande pas de gagner 500, je demande de pas perdre. Heads up. Keep going. P2 arrêté dans la curva grande, je sais pas où tu es. Ouais, dernière chicane. Ça a l'air d'être un slowdown. C'est horrible, on aurait la sensation qu'il va pleuvoir, c'est terrible. Ouais. Bon, c'est fait, je vais me faire attraper. Je suis dernier, moins 55, moins 54. Allez! Je vais à la même vitesse que les P1, mais c'est un truc de ouf, c'est tellement triste, quoi. Que les GTE. Peut-être que ça fonctionne sur un circuit avec plus de freinage et moins de ligne droite aussi. Style le Glen. J'aurais dû prendre l'autre. Garder l'autre. En qualif c'était nickel, mais alors là. Pas assez chaud peut-être pour le freinage ? Je sais pas. Je sais pas, c'est horrible. Règlement de compte devant le moi, les deux P2. Un deuxième qui est pas rentré dedans.
say hi here. De rien, Thompson. Ça nous rappelle le Mississippi, Thompson. Pardon. Oh. Je galère à doubler les GTE. Ah putain, quand la deuxième rentre dedans, tout se passe bien à la chicane. Un bonheur. Je suis en train de régler la voiture pendant que je roule, dis-toi. Clear, clear. C'est à ça que ça sert, hein. C'est horrible. Les essais grandeur nature. Pas du tout. Sorry. Oh, le mec a un message plus court que son nom de famille, c'est inquiétant. Still there. You're clear. Tu me diras combien tu vas dans la vitesse de pointe à la droite, vitesse standard. Ok. S'il te plaît. Tout à fait, monsieur le président. Hein? Monsieur Arriva Bene, tout à fait, je vous donnerai ma vitesse de pointe. tu vas rigoler quand je vais te donner la mienne. Carton à la première chicane. Oh, je suis mort. Pas carton, pneu allumé. Pour être honnête, j'ai regardé ce qu'il y avait devant moi, j'ai pas vu la VMAX. Je te le dirai. Ah, tu vois, tu me diras. Parce que je regardais en haut de mon écran, puis d'un coup je vois. Nuage de fumée, j'ai fait hop hop hop. Du coup, j'ai un peu perdu mon rythme avec tout ça. Tellement de trafic. Right side. Clear. Allez, je suis à 290. Ok, tu as plus vite que moi. Je suis à 268 en plus. Clear. Effectivement. Right side. T'as fait à l'extérieur dans la courbe à grande D, c'est tellement flippant sur une GTE.
Putain, j'ai les premiers qui tombent dessus. Clear. Dur. C'est bête, hein, mais même en étant dernier, le fait de passer dans le trafic, c'est kiffant. C'est le moteur. Trop de rupteur. Mais non, même pas. On your right. Putain. Chico. Clear, clear, clear. Voilà. Voilà, voilà. Left side. Still there. Clear. Fait chier. Hein. Sûr que t'as sélectionné le bon? Question con. Ah hein. Ouais. Là, je... Ça veut dire que tu dois compenser avec l'hybridation en fait. C'est compliqué. C'est ce, hein. C'est ce que je vais faire depuis le début. Ouais, mais... Et moi, ça, j'aime pas ça. Devoir gérer moi-même l'hybridation, moi, je préfère qu'elle le fasse automatiquement. C'est ça que je suis bien avec ma HPD. Moi. Ah, mais je suis deg là, tu sais pas. Tellement la foire d'empoigne dans la première chicane devant moi. Les GTE me passent devant, quand même. Ouais, je me doutais. Mais là, t'as abandonné complet, là, cassé. Cassé, mais là, je sais pas, je vais repartir. Mais j'ai 13 minutes de twig, à mon avis, la réparation, ça va faire 20 minutes.
Clear. Excuse-moi, je suis en plein dans le trafic avec la partie des GTE. C'était un peu chaud. T'as le 7ème et t'as 5 secondes. Hein. Left side. You're clear. Encore 6 tours avant l'arrêt. Allez, je suis passé à moins 24, 7ème. Je crois qu'il y en a un qui est au box, faudrait vérifier. Je pense qu'il s'est peut-être arrêté maintenant, hein, s'il a pas de JRT. Je vois personne au box. Ouais. Did you see much damage? Ah, David Carl, je me demande si c'est pas lui. Non, pas sûr. The times are sucking for this temperature. Left side. Clear. Tellement salé. Keep hauling ass, man. Keep hauling ass. We need you for about 4 more till we stop. Right side, all clear. Oh la vache, je freine un peu tard. Leaders on pit road. Leader dans la pit lane. Bon, il me reste 4 tours, 1,9, donc je suis bien. Le mec en bien que s'est crashé en début de course, vient de repartir, donc je vais encore perdre plus que ça en hier. La joie. T'inquiète, hein, je fais des courses propres et vu que je gagne pas de position, je me fais avoir. Ce qui m'énerve, c'est que je pouvais bien jouer là. J'aurais pas dû prendre ce setup là. Alors que j'ai les in-game devant moi. Notre ami Stein. Il était à 7 secondes. Il était à 4 secondes 8. Toi le proto au box là. Il y en a plusieurs. Parce que moi j'en vois qu'un de où je suis donc. Il y en a un devant moi aussi. Qui s'est loupé à la chicane. C'est une P1. C'est le 7ème, c'est celui qui est reparti. Son tank. Parce qu'il vient de se louper à la chicane. Oh, tellement de trafic devant. Oh là là, les deux GTE.
Mec, je viens de faire 1.39.4, c'est mon meilleur temps en course. Je profite d'être à vide pour tirer un maximum. Ouais, c'est son tacle qui est sorti. Moi, je prie pour que... On your right. Il aille pas au bout, c'est méchant, mais... Clear, clear, clear. Parce que s'il va au bout, il me passe devant et je perds encore plus. Over at Curly Jesse, keep going. On your left. Clear. GG. 3 secondes 3 devant. Stein a un problème devant, il est au ralenti. Ok, je rentre à la fin de ce tour. Il a manqué, il m'a percuté. Il m'a percuté. Pourquoi? Why you touch my car? Honestly. T'as rien. Ouais, j'ai pris un x0 mais... Man, you were slow and you're waving on the track. Watch out, please. Opportunity has arisen here, homeboy. Putain, j'ai pas demandé le fuel. Tu peux le faire quand t'es dedans. Ok, j'y suis, j'y suis. Ah, il m'a tellement perturbé. If you start moving in one direction, keep going. Il m'a pas fait le plein. Non. Il m'a pas fait le plein. Ah putain. Ah ok. Fuel to add 9,7 litres. Je dois rentrer et remettre un plein. Putain. Mais putain, mais pourquoi? Parce que le trou de balle il me touche. Ah, t'as oublié d'appuyer sur le GRT. Ben ouais. Et je l'ai fait dans la pit lane et il m'a remis, mais il m'a pas remis Et l'autre était devant moi, il zigzaguait dans la parabolique. Et ouais, bon. Il reste 9 litres à ajouter. Really? J'ai appuyé sur le fuel hein. Ouais. Donc je re-rentre une deuxième fois au box, donc là je suis dernier, c'est terminé. Bad. Ils me mettent des pneus. D'où ils mettent des pneus? J'ai demandé du fuel. T'es pas gouré dans les boutons? Mais non, 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 j'ai démappé l'autre exprès pour demander que du fuel. Thanks, Xavier. Right, pas de soucis. 7ème est à 15 secondes. Qu'est-ce que tu veux que je branle? Ça me saoule.
Voilà, maintenant je suis bon, moins 0,9. Hein. Putain, pourquoi il m'a pas fait le plein? J'ai appuyé sur fuel, putain. J'ai rien d'autre, là le bouton, là c'est pour tout faire, j'ai juste appuyé sur fuel. Pas possible. Putain, ça peut jamais bien se passer une fois, putain. Tourner à Pécars 2, hein. Il zigzague, il referme la porte quand je prends l'intérieur à la parabolique, il me touche, il me fait un fois 0, ce qui est pas grave. Mais dans le doute, le temps que je me remette et que je me fasse l'arrêt, je rentre au box, j'ai pas validé les pits. Ouais, il faut le faire juste avant de passer la ligne. Je l'ai fait quand j'étais arrêté dans mon box et bon, et après ils m'ont mis des pneus, pourquoi? Bon, alors faut le faire en manuel quand tu roules à l'entrée des pits. Qui remonte pas. Il n'y a plus qu'à prier pour que il y ait des problèmes de panne d'essence, mais ça m'étonnerait. Il n'y a que des GT là au box, bah ouais. J'en vois une PT. La 9ème, Stein. Il y a une LMP2 ouais, au box. Left side. He's moving. Clear. Very slow on the right. Voilà, j'ai pris encore un fois 0 pour la P1. La P1 m'a touché en pleine ligne droite. Je pouvais pas faire moins, hein. Il a la vitesse. Hein. Il s'est rabattu devant moi sans me considérer. Ah, il t'a dit pardon. Je m'en fous, j'ai fois 0, c'est pas grave. Max Stein, c'est des... C'est Moraes. Ouais, Stein, il était 9ème derrière moi. Je suis passé 8ème par contre, il y avait une P2 arrêtée, je sais pas qui c'est. Ça. Je sais pas qui c'est. Il y avait une P2 qui était arrêtée à la chicane, la deuxième. Eh, musclé, hein. Là, c'est ascenseur émotionnel. La vache. T'es dernier, t'es tranquille, tu fais ta course. Pendant 40 minutes et les 10 dernières, c'est... Oh, incroyable! C'est terrible. Putain, il a dit, va me tomber à la fin, là, je vais perdre, putain. J'ai à moins 11, mec, il a moins 18. Clear. Putain. Et j'ai encore 13 minutes de réparation. Left side, clear.
ça. Right side. Clear. Faudrait qu'avant les départs, en cas de problème avec le JRT, on puisse se dire qu'on met un plein. Tu sais, de manière manuelle. Ouais. Quand tu connais, ouais, ça va, moi c'est ce que je fais. Là, je sais que normalement je rajoute 40, puis tu mets 40. Après, si je vois que le JRT il met 38, ben je fais confiance. Mais s'il me met 20 par exemple, là, je vous le problème. On your right. Je surveille, clear, alors clear. Jamais ils ont d'ag. S'il me passe, je passe de moins 54 à moins 70. Oh, parce que ça se rattrape. J'aurais pas dû penser. Le 7ème est 17 secondes derrière. Ouais, c'est bon. C'est pour ça qu'il a 5. J'ai 5 tours d'avance. 5 tours, il en reste 9, il va passer. Hein. Thank you. J'ai la blue flag pour le leader des P2. Je veux faire mon Bernoldi, je peux faire chier le leader. Non, je plaisante.
Ouais. 3 tours de retard, c'est fini. Ça va faire mal. Tu peux pas ressortir ? Non, je peux rien faire. Je suis pas... Combien de temps de réparation il te reste ? Encore 8 minutes. Ah bah tu sors ? Tu sors et tu fais 2 tours ? Ah, je peux pas ? Je peux même pas partir ? Mais après, 8 minutes obligatoires. Bah après tes 8 minutes. Ah ouais, là, ouais, je pourrais repartir. Mais lui, bon, on peut déjà passer depuis des durées. C'est fini. Left side. You're clear. Deux tours après lui, c'est pas la peine de le ressortir. Left side. Et voilà, c'est fait. You are clear. Moins 80. Right side. Looks clear, clear, clear. Left side. Clear, clear, clear. Là, à moins d'un accident, la messe est dite, comme dirait l'autre.
je vais repartir. Et tant que je finisse les bourses, alors le moteur il va recasser. C'est ça le pire. Now that's what you're gonna get. Putain. Et il m'a mis un peu. On your right. Mort. Clear. On your left. You are clear. On the left side, clear. Je vais te faire un petit peu peur à mon bourreau. Probably in about four. Clear. Right side. Clear, clear, clear. I can't do anything, Xavier. I don't have fuel. Qui a dit ça? Je n'ai plus de fuel. On your right. Clear, clear. C'est pas en vie. C'est une GTE. C'était chaud avec le garçon avec la Ferrari, mais en même temps il avait beaucoup 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 de dégâts. Sorry. Right side. You're clear. That's some of my knife, Anton. On your right. Clear, clear, clear. Il y a plein de gravier à la sortie du premier Lesmo. Le moteur il chauffe. Heureusement qu'il faisait pas 41 degrés parce que t'aurais jamais su tenir autant. Mais je sais même pas d'où ça vient le problème. Je sais même pas de dire. Restricteur d'air. Pas une fois j'ai tapé le moteur, pas rien. Mais si t'es rapidement en rupteur en bout de ligne droite, faut pas chercher plus loin. Hein. Bah ça arrive à une fois, mais c'est tout. Et après. Bon, c'est pas grave.
Il reste 57 secondes. Il n'y a plus de P1 derrière pour le moment. On va finir dernier, mais je suis tellement déçu quand je vois l'écart avec la voiture devant. Je sais pas, j'étais à 13 secondes, maintenant je suis à 22. Ah. C'est embrasse ta maman. Ah, Xavier, ça doit être. Ah non, pas Xavier. Non. Ça fait une heure qu'on était en train de batailler. Ah, t'auras pu attendre un peu quand même. Je me rends compte que, en fait, avant de prendre le départ, j'avais déjà des dégâts. Allez, à cause du moteur. Je t'avais dit, bah, je sais pas, tu te souviens, je t'avais dit vitesse de pointe. Ouais, ouais. Maintenant, sans rien faire, juste avec les réparations, je reviens à 290. Ce qui est déjà plus logique, normalement. Ouais, là, je suis à 290 sans boost. Donc, je sais pas ce qu'il y a eu. Un petit bug du serveur, peut-être aussi pour mes. Mon double arrêt, j'en sais rien. Non, non, je sais pas. Je me cherche des excuses, mais honnêtement. Je suis de nouveau à 290 facile. Ah, d'accord. J'ai pas entendu, j'avais mon spotter. Il y a une Ferrari en tête à queue à la deuxième chicane. En gros, en poli, espèce de jeu, te prends par derrière. Pour aller faire du curling. Voilà. Est-ce qu'il pouvait y avoir une P2 dans l'affaire? Je sais pas. Ah, prepare for your back. Ah là, a vite oublié pour moi. On your right. Très vite. Il y a une P2 ralentie. Clear. Keep going. Il y a une P2 ralentie, je suis P7, je perds que 24. Oui, c'est la folie! Pardon, excusez-moi. Ce moment d'euphorie vous était offert par iRating. Ah. Je suis pas dernier. Je vais me consoler comme ça dans une course vraiment, vraiment difficile. Ça fait depuis une heure qu'on tient dans la zone. Franchement, il t'aura pas laissé passer. Incompréhensible. Ça a pas été passé de manière safe. Secret flag. Oh là là, elle était bien difficile celle-là. En gros, c'est toi qui as foutu la merde. Oh. Ah mais ce serait incompréhension. Non, le titre ce sera, je sais pas. Je sais pas. Honnêtement, comme titre. Ah bah j'ai pu visiter les stands. Je sais pas. Joli les stands. Je sais pas, ciel gris à Monza. Je sais pas, mais en tout cas. En tout cas, c'était très compliqué. Première moitié de course correcte, et je pensais vraiment qu'après les arrêts, j'aurais pu remonter à la régulière en fait. Parce que quand je suis sorti, j'étais à 2 secondes 7 de la voiture devant moi. Je me dis, bon, en bataillant, il y a peut-être moyen, allez. Je vais essayer de me concentrer comme j'avais fait le première moitié de course. Et effectivement, je me suis retrouvé piégé par la P2 qui était complètement à la dérive dans la parabolique. Elle se met à l'extérieur, je plonge, elle referme, elle me touche. Bon, je prends un x0. Dans l'euphorie, je pensais sincèrement avoir appuyé sur fuel. Alors, quand je veux remettre du fuel, regardez en haut, ça fait fuel 1 litre. Donc fuel plus la quantité. Si je veux remettre les pneus et le fuel, ça fait tout ça. Et j'ai pas vu ni le RF, ni le LR, ni le RR, etc. etc. Donc je sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné avec le JRT. Peut-être parce que j'étais déjà dans la pit lane. Vous voyez, j'ai tapé ici, le temps de m'énerver, comme d'habitude, vous me connaissez, de me rendre compte. Je fais gaffe à ma pit limite
ici et effectivement j'appuie sur mon limiteur mais je ne ramène pas la voiture convenablement sur ce coup là. On a pris 2 fois 0, on perd 24 en IR. Franchement c'est très très dur mais bon vous me direz hein. C'était une belle course parce que ça s'est bien battu. On était pas loin. Je pense qu'on va aller boire une bière, hein, c'est encore le mieux à faire. Écoutez, à la prochaine pour d'autres aventures, on espère un peu plus joyeuses et plus disputées, même si là on s'est beaucoup battu avec nous-mêmes dans cet apprentissage du HPD, donc enfin du LMP2, de cet HPD pardon, en catégorie ELMS, donc en inter-catégorie, en multiclasse, voilà, je vais trouver le mot. Bonne nuit, Émeric. Ah ouais, va être bon. Bonne nuit. Allez, à la prochaine, ciao.